Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue sur WWE Supercard. Bienvenue à vous. Les amis, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je suis passé niveau Behemoth tout en jouant Mercredi Sauvage en mettant mes cartes au maximum. Toutes mes cartes au maximum. En plus d'avoir obtenu la carte Angelo Dawkins. Et là, je jouais mes matchs tranquillement. J'ai obtenu entre-temps une carte Maryse de niveau Behemoth. Et là, d'un coup, j'apprends que j'obtiens le niveau Behemoth alors que j'étais hors puce depuis une semaine au moins. Et là, on va essayer d'obtenir notre carte Behemoth, notre freebie. Parce que bah je pourrais faire le. Je pense que je vais faire comme ça. En plus, j'ai la roue de WrestleMania à faire. J'ai réussi à obtenir une première quête. J'ai plus que 120 matchs à faire et deux fusions. Et ça devrait être bon. J'ai aussi deux cartes à pro. Ça devrait être facile à faire aussi. J'espère que ma tactique est la bonne d'avoir une pro fusion. J'espère que ça a fonctionné. Je croise les doigts là-dessus. Vraiment, je croise les doigts là-dessus pour que ça fonctionne. En attendant, je vais me faire quelques matchs. Là, l'objectif est clairement d'avoir la carte Behemoth. Ça, c'est bon. Yes! Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Allez, donnez-moi une freebie. Juste une freebie. Pas de pub. Et c'est Roman Reigns. Roman Reigns, ma freebie. Eh bien, tant mieux si c'est Roman Reigns. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que j'ai une quête avec Roman Reigns. Donc tant mieux. J'aurais bien aimé avoir une carte féminine. Mais c'est pas grave.
Ouais, ça doit être grâce à cette carte-là que grâce au match de cette carte-là. Ouais, parce que les cartes augmentent au fil des matchs. Ouais, c'est grâce à ça que j'ai dû obtenir le niveau Behemoth. Je vois pas d'autre explication. Je suis content d'être au niveau Behemoth. À quelques jours du niveau WrestleMania 37. Mon objectif maintenant, c'est d'être pourquoi pas niveau WrestleMania 37. C'est bon. Pour la première carte, c'est bon. Puis je vais essayer aussi d'obtenir la carte de John Cena en Ring Domination au niveau Royal Rumble. Ça peut servir. Toute carte peut servir dans ce jeu. Là, je suis niveau Behemoth. Il me suffisait juste de faire quelques matchs pour obtenir le niveau. Ouais, c'est cette Ronin Star, on a plus besoin. Plus vraiment besoin de cette Ronin. Voilà, c'est bon.
crois que vous m'avez jamais vu jouer en rue de domination. Suis en train d'y penser, mais vous m'avez jamais vu jouer à ce jeu-là. C'est pas le mode de jeu que j'affectionne le plus, mais là, mince. Normalement, ça devrait être bon. Bizarre. And feel the power. Le pouvoir de la positivité. Mince. J'étais sûr que ça passerait, mais non, pas du tout. Deux fois que je le perds. Un peu de domination, ça fait un peu de bien. Tiens, Velveteen Dream. Parce que c'est fun.
Parfait. Et encore parfait. Comme vous le voyez, ça a été réinitialisé et je vais essayer d'obtenir l'Exablis. Quand j'aurai obtenu les cartes extrêmes. Carte extrême Behemoth. Carte féminine ou masculine, ça me va très bien. Les deux me vont. Les deux me vont très bien, vraiment. Après que j'aurai obtenu une carte de Alexa Bliss, bah, si j'obtiens Alexa Bliss, bien sûr, je vais directement tenter le niveau Royal Rumble, tout simplement, en essayant pourquoi pas de trouver des cartes pro de niveau Behemoth. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve tout à l'heure, dès que j'aurai fait les résultats de Ring Domination, et Money in the Bank aussi, et la fin de la quête de WrestleMania. Bon, on est de retour, les amis. Je suis sur le point de terminer cette quête Road to WrestleMania 37. J'ai plus que 5 matchs à faire de Sasha Banks. J'ai fini Roman Reigns. J'ai fini les fusions. Et j'ai fini les matchs Money in the Bank et Road to Glory. Normalement, je n'ai plus qu'à faire les matchs avec Sasha Banks. Ensuite, on va récolter bien sûr les récompenses.
Ça y est, j'ai fini la Road to WrestleMania. On va tout écouter tout de suite. Pas terrible du tout. Pourquoi pas? Intéressant. Intéressant aussi. Et maintenant, la carte WrestleMania. Enfin, c'est pas vraiment une carte WrestleMania, c'est une carte Behemoth. Comme je suis passé niveau Behemoth. Je peux... Ouais, Rumble. Yoshirai. Pourquoi pas? C'est une belle carte. Voilà. Oh la boulette. Oh la boulette. J'ai utilisé le soutien Behemoth. C'est fun! Oh là là. C'est dommage, c'était une carte intéressante. J'aurais dû la verrouiller. Voilà ce que j'ai obtenu. Ça aurait pu m'être utile.
Au moins, j'ai sécurisé Yoshirai, la championne NXT. C'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Orthox. Ciao tout le monde.